Aujourd'hui, présentation d'une remorque de 3,5 tonnes en 4x2 pour pouvoir monter autant de voitures, autant de mini-pelles et pour faire des travaux. C'est pour un particulier qui fait souvent des sorties 4x4, voilà, qui habite dans l'ouest de la France. Donc voilà, il a pris un gros plateau de 4,10 m par 2,10 m. Donc c'est une tête Alco de 3,5 tonnes avec une roue jockey largement dimensionnée. Un châssis mécano soudé assemblé, ridelle alu de 35 avec fermeture encastrée. Les ridelles sont à l'extérieur pour un meilleur nettoyage. Le constructeur, c'est Umbauer en Allemagne. Des essieux et un châssis Alco, 1800 kg par essieu. Donc chaque essieu est freiné naturellement. Les roues montées en 15 pour un meilleur franchissement. Trois crochets à l'arrière et trois crochets à l'avant pour un meilleur sanglage du véhicule. Les fermetures encastrées. Quatre charnières avec un guide pour pouvoir mettre les ridelles tout seul. Et celui-ci, il a des logements de rampe. Et avec les rampes, bien entendu. Alors, vous en pensez quoi?